Alors. Salut Benoît. Salut, est-ce que tu m'entends ou pas là? Nickel. Bon, ben excellent, j'étais pas sûr. Tu vas bien? Ouais, très bien, je suis à ma tasse de café, c'est bon, j'ai le temps de faire Bon, ça. t'es en avance sur moi. Et plutôt, petite neige par ici, première neige de l'année. Donc, ouais, c'est T'es ça, revenu chez l'hiver toi? sent bien. Ouais, t'es revenu chez toi là, ça y est? Superbe. Tu veux on record là du coup c'est bon. Ouais. Tu veux partager ou tu veux que je partage la présentation? Bah, comme tu veux, peut-être si je m'en occupe pas, c'est mieux. Ok, allez, c'est parti. Puis c'est juste des plus aide-mémoire, puis petite note là un peu sur ce qu'on avait dit. Là, il n'y a pas vraiment de. Voilà. Je ne sais pas si l'ordre vous va et tout. Oh, yeah. Attends, parce que si je Scroll passe. infini. Alors, tu peux monter sur scène et tu partages. Parce qu'en fait, moi, je vois pas sinon, t'as l'écran. S'il y a des questions et tout. Ouais, c'est pas évident quand on fait la présentation, on voit rien, ouais, c'est ça. Donc, Ouais. Là, je suis dessus. Attends, je vais inviter, je pense, Anva à monter sur scène et à partager son écran. Pour que ça soit plus facile. Je te fais monter. Je suis pas sûr. Si, je te vois. Non, je suis pas sûr. Ah non, c'est moi. Ouais. Moi, je suis connectée sur le truc. Ok, bah, je partage. Tiens, je peux faire aussi. Hein, enfin, c'est juste un autre On navire. Là. Attends. est en train de regarder. On est en train de regarder. Donc, voir que ça fait. Ok, c'est partager l'écran. Il ouais, faut que je mette tout en plein écran. Ouais, c'est pas grave. Mais moi, ça me dérange pas si je vois pas personne. Enfin, Ouais, personne. c'est pas très agréable. Ouais. On regarde. Avec ton Gmail. Ouais, allez voir, on va dire. Normalement. Feedback. T'as la presse ou tu veux que je t'envoie? La bonne nouvelle, c'est que j'avais un problème avec mon modem câble, mais il a été changé hier, donc la connexion Internet devrait être stable. Tout Justement, je regarde mon truc, qu'est-ce que ça dit? Ouais, c'est bon. Ça se met un petit peu. Ouais. Pourquoi je vois pas très bien? Ah, ça y est, ça y est. Ok, on va attendre un petit peu que les personnes se connectent. Juste quelques minutes. On a quelques premières personnes qui sont arrivées. Je propose qu'on démarre dans 2 minutes, Benoît. Ah ouais, bon, c'est quand tu veux, c'est toi le maître des cérémonies. Yes. D'expérience, les personnes mettent à toujours un petit peu de temps. Ah ben oui, c'est un peu la course là, à se connecter et tout, c'est clair. 5 minutes habituelles.
Attends encore une petite minute et on démarre tranquillement. Excellent, c'est le matin, donc c'est bon, démarrage tranquille, ça me convient. Pour moi. Ok, bon, on va démarrer. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette édition du Bourbier numéro 14, où j'ai le plaisir et l'immense honneur d'accueillir Benoît Deligneris. Merci Benoît de te joindre à nous et de partager ton expérience et d'avoir pingé mon appel à speaker sur LinkedIn. C'est super chouette et ça permet une belle collab. Donc, bienvenue à toi et du coup, on va démarrer. Parfait, merci. Peut-être ce que je propose, Benoît, en préambule, évidemment, c'est que tu puisses te présenter, expliquer ce que tu fais actuellement, puisque tu es directeur de tout le produit chez Plateforme.sh, qui est une entreprise française, mais je crois savoir qu'elle est full remote, donc un petit peu particulière. Et aussi, merci parce que tu n'es pas en France, hein, tu es au Canada. Donc, on est de bon matin pour toi. Donc, merci aussi de te plier à nos horaires et de nous joindre de bon matin de ton côté. Ce que je te propose, Benoît, en quelques minutes, voilà, pour les participants quand même qui puissent situer qui tu es et tes expériences. Et en plus, c'est en lien avec notre sujet. Donc, voilà, n'hésite Parfait. pas à partager tout ça et à te présenter. Excellent. Ben, d'abord, merci pour l'invitation. Je trouve que c'est super de pouvoir faire ça, de faire des retours d'expérience. Et ben, ce qu'on a choisi un peu comme expérience, c'est une histoire vraie. Et donc, je pense que ouais, c'est bien d'avoir un peu de contexte. Donc, ouais, qui je suis? Ben, je suis un entrepreneur là-bas. J'ai parti ma compagnie alors, au Canada. Je suis français d'origine, mais j'ai parti ma compagnie au Canada dans le domaine de l'infrastructure technologique et des logiciels libres. Et puis, je suis vraiment parti vers le product management. J'ai vendu une startup Shopify quelques années et puis plateforme SH plus récemment. Et puis, tout ce qui est développement produit, etc., c'était vraiment quelque chose qui m'intéresse depuis que je suis entrepreneur. Et puis, j'applique ça un petit peu à d'autres types d'entreprises, pas nécessairement dans des projets d'entrepreneuriat. Je suis coach aussi de quelques startups. Et souvent, c'est vraiment la validation du produit et comment est-ce qu'on arrive à rapidement, le plus rapidement possible, enlever les risques, valider nos assumptions et réussir à avoir du succès en affaires, disons. Top. Pour. Tu veux nous parler un peu de plateforme, c'est ça, Benoît? Voilà, c'est ça. Donc, peut-être plateforme qui sera après une slide. Qu'est-ce que je fais? Alors, je ne suis pas directeur de tout le produit. On a quatre directeurs produits, mais je suis directeur de la product experience qui est vraiment donc, toute la partie. Plateforme, c'est peut-être avant. Qu'est-ce que c'est plateforme? Nous, on dit plateforme de service, génération 2. C'est-à-dire que la génération 1, on peut voir ça comme Azure, AWS, Google Cloud. Mais par contre, le problème de ces systèmes-là, c'est qu'il faut faire tout à la main, quoi. Donc, Kubernetes, DevOps, engager une équipe de production engineering, puis mettre en place l'autoscaling, puis des firewalls, puis des VPN, puis en tout cas. Et pour les petites structures, et même pour les grandes, c'est un vrai, 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 vrai défi. Donc, le plateforme, c'est vraiment une réponse à ça. Donc, on est multi-cloud, on n'est pas focalisé sur une solution où on peut choisir où est-ce qu'on va héberger et migrer tous les projets qui nous intéressent sur l'hébergeur qui nous plaît, surtout en fonction des normes de protection des données. Donc, il y a des pays qui ont des gestions très différentes de ça. On gère le cycle complet de l'application. Donc, nous, on dit c'est par les développeurs pour les développeurs. C'est vraiment ça que je fais à la plateforme. Donc, c'est la développeur expérience, puis le onboarding. Comment est-ce que les développeurs interagissent. Notre interface principale, c'est Git. Donc, avec un simple Git merge ou Git commit, on est capable de
automatiquement déployés sur voilà, un de ces providers-là. Et ben, on fait aussi, donc pas juste le cycle de vie de l'application, mais aussi sa mise en production, donc avec du auto-scaling. Et puis, et on travaille donc, alors on a un mix de clients, mais on a des Fortune 100, on a des très grands groupes, alors certains publics, là, genre Nestlé, etc. Et on a aussi un mode white label, donc on a plusieurs projets. Un qui est connu, c'est Magento, donc maintenant Adobe. Mais quand vous faites un truc avec ça, c'est plateforme en arrière. Donc voilà, on a un mix un peu de solutions. Et voilà, on a vraiment l'efficacité à cœur. Alors l'efficacité, ça se traduit aussi par un impact vert. Et ici, j'ai mis quelques chiffres. Donc, c'est une étude qu'on a fait avec Forrester. Mais voilà, en moyenne, on arrive à diviser par 10 le coût énergétique de nos environnements. Et la raison, c'est parce qu'on fait des containers. Donc, en fait, on peut avoir jusqu'à 6000 containers sur un serveur. Donc, la densité, si on veut, si on compare avec votre instance dédiée à AWS, puis ce que vous avez réellement besoin, surtout s'il y a du auto-scaling automatique, bah, ça peut être un 10x, donc un facteur 10 de réduction des coûts environnementaux. Et ouais, et donc mon rôle, je l'ai dit un peu, bah c'est le y a une partie web, donc quand on se connecte, on a un dashboard, tout ça, le cycle d'onboarding, l'activation, et finalement la suite, donc tout ce qui est, on appelle ça expansion, mais comment est-ce qu'on se connecte avec les développeurs, donc on a une équipe de développeurs expérience, on a beaucoup de conférences, en ce moment d'ailleurs à Paris, il y a Symfonicon et Batcon, donc qui sont voilà, des exemples de conférences dans lesquelles on est très activement engagé. Voilà. Ok, top, merci pour l'intro et du coup j'en profite hein, puisque tout doucement les participants se connectent. Si vous voulez poser des questions à Benoît, c'est aussi l'intérêt d'être en live, évidemment en record si vous voulez revoir ce petit live, mais en tout cas n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure de l'intervention de Benoît, parce que voilà, c'est aussi l'intérêt de tout ça, et je ferai en sorte de reprendre toutes les questions qui sont citées, de les agréger et de les restituer pour que ça vienne enrichir notre discussion. Du coup, Benoît, on attaque direct par le sujet, parce que c'est vrai que quand on a discuté ensemble, on a préparé ce live, tu m'as parlé quand même du coup d'une problématique assez drôle d'AB testing, même si on ne devrait pas en rire, qui a fait perdre sur le plan business beaucoup d'argent à un moment donné à une de tes expériences. Donc, ce n'est pas forcément chez Plateforme que ça s'est réalisé, plutôt dans le secteur e-commerce, si je ne me trompe pas, et notamment chez Shopify. Donc, je crois que tu avais vraiment envie de parler de ce sujet-là. On trouvait que c'était hyper intéressant et hyper captivant de justement lier une problématique produit, une problématique technique et un impact business fort. Et ce que tu en as tiré à cette époque-là comme learning, parce que je crois que tu en as tiré des beaux key learnings. Donc, je te propose qu'on avance sur le sujet et que tu nous expliques un petit peu bah, du coup ton passé chez Shopify et le pourquoi de ce sujet et de cette expérience AB et ces fameux tests AB qui t'ont coûté un petit peu cher par le passé. C'est ça. Ben ouais, donc alors peut-être Shopify, ben, on peut commencer par contexte. Donc voilà, moi c'était, donc je venais d'arriver à Shopify, en fait c'est à peu près cette période de l'année, c'était un mois avant là si on veut, en fin septembre. Et bah, ça faisait 4 mois que j'étais à Shopify, donc voilà, une nouvelle équipe si on veut, aussi une croissance assez folle. Donc en 4 mois, on a commencé à 5, on était déjà 20, donc pas des gens qui se connaissent vraiment. Et puis bah, voilà, on cherchait une opportunité finalement de faire un projet ensemble qui ne soit pas trop compliqué. Voilà, il y avait déjà un POC donc, qui avait été fait, voilà, qui était là. Et puis donc… On s'est dit, voilà, on va faire une expérience. Puis l'expérience, la prochaine slide, ça devrait aider. On voulait améliorer le checkout. Donc, le checkout, c'est le, voilà, quand vous avez tous acheté quelque chose en ligne. Quand on achète quelque chose en ligne, à un moment donné, on a mis ça dans notre panier et on veut voilà, savoir combien ça a coûté. Et alors, mon équipe, on était vraiment responsable du… le coût du shipping, quoi. Donc, vous entrez votre adresse, puis là, nous, on va interroger des API, on va parler à des fournisseurs suivant la configuration du marchand, et on va réussir à vous lister, bah, voici, on a ces trois options-là. Donc, on peut avoir un shipping gratuit en 10 jours, on peut avoir le shipping 20 $ en 5 jours et 40 $ ou 40 € demain. et donc, faire cette logique-là, donc nous, on était responsable de ça. Donc, ce qu'on appelle tout ce qui est… le shipping plateforme finalement pour produire ces trucs-là. Alors le checkout, c'est évidemment l'instant critique là dans le e-commerce. Donc c'est un des systèmes les plus contrôlés. Bon, le système le plus contrôlé à Shopify.
tout simplement. Et donc, nous, alors, on a une interface avec l'équipe Checkout, c'est une autre équipe, et on leur fournit les rates. L'interface qu'on a, elle est assez simple. Le Checkout, plus il est rapide, plus ça convertit. Plus il est lent, moins ça convertit. Donc, nous, on a des niveaux de service, si vous voulez. On doit fournir ça en, je sais pas, 250 millisecondes, c'est cool. 500 millisecondes, c'est orange. Et plus qu'une seconde, ben là, voilà, les gens, ils perdent patience et ils n'achètent pas. Et à la fin de ça, une fois que le client a choisi, donc le consommateur a choisi l'option de shipping, ben, il faut qu'il paye. Donc, il y a aussi l'équipe paiement qui est à la fin du processus. Mais typiquement, encore une fois, comment est-ce que la business est structurée à ce moment-là? C'est trois équipes. Donc, une équipe shipping, une équipe checkout et une équipe paiement. Je pense aussi en termes de contexte, c'est important. Le GM, donc le directeur général, on est en business unit, shipping est complètement indépendant. Et il dit, ah ben ouais, on a fait ça longtemps, on veut vraiment réussir à améliorer le checkout. Et l'idée est vraiment simple et voilà, et pas compliquée. Quand on a une option shipping gratuite, ben on veut la présélectionner pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'au lieu que l'utilisateur voit les trois choix, on va lui le passer à l'étape d'après avec free shipping qui est sélectionné. De telle sorte qu'on enlève une étape. Et normalement, dans toute expérience de checkout ou même de produit, si on enlève une étape, on enlève la friction, on augmente la conversion. Voilà, ça c'est le but de l'expérience, si on veut, c'est voilà, en sautant l'étape lorsque le shipping est gratuit. Alors, on ne peut pas le faire dans toutes les conditions, c'est-à-dire qu'il faut, comme j'ai dit, la vitesse est importante, il faut qu'on aille vite. Parfois, on a des réponses lentes, donc dans ce cas-là, on va rester avec l'étape de sélection. Mais quand on a une réponse rapide, ben, on est vraiment capable de dire, OK, on sait qu'on a free shipping. Et voilà, on avait du data, quoi. Donc, on savait que free shipping 1 performe 20% mieux que le reste. Et 2, on savait que c'était le choix par défaut de voilà, 90% des gens choisissent cette option. Donc, voilà, pourquoi les pénaliser avec une étape? Puis, les gens qui voulaient l'option rapide, il faut qu'ils reviennent en arrière, c'est un 10%. Et de toute façon, ils sont beaucoup plus motivés que la moyenne des gens. Si vous avez une date, là, vous avez un anniversaire vendredi et vous voulez votre truc vendredi, vous allez payer 40 € et voilà, vous êtes content parce que vous avez réglé votre problème. Donc, l'engagement et la motivation étaient plus forts pour ces gens-là. Donc, on se dit, on ne va pas impacter cette partie de la business et on va vraiment, vraiment améliorer la conversion pour les consommateurs moyens, enfin, 90% des consommateurs. Ouais, et du coup, Benoît, moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'interpelle par rapport à ça, parce que bon, toi et moi, évidemment, on connaît la suite, pas encore nos participants, mais c'est est-ce que cette sélection par défaut du free shipping, déjà, l'idée, elle a été portée par qui? Je pense que c'est intéressant de savoir qui a porté l'idée originellement. Et est-ce que déjà, cette hypothèse que vous aviez, qui était quand même confirmée par certains chiffres qui paraissaient du bon sens, hein, comme tu l'expliquais dans une expérience e-commerce, est-ce que tout le monde était d'accord? Voilà, est-ce que tout le monde était aligné? Ou est-ce que déjà, il y avait quelques débats autour de ça avant de déployer cette structure? Ouais, ben un peu de contexte encore un peu. Donc là, à ce moment-là, un nouveau directeur produit arrive, un peu après moi, finalement, 3 mois après. Donc, il vient d'arriver. Lui, c'est un ancien d'Amazon. Et donc, ancien d'Amazon dans shipping. Donc, avec Prime, puis avec Free Shipping, puis avec vraiment, vraiment, c'est une emphase énorme mise sur ce programme-là. Donc, un des trucs qu'il a amené, c'est ça. Il a dit, ben, c'est ça, pas d'allure, là. Quand on a ça, pourquoi est-ce qu'on se casse la tête? Il faut vraiment pousser ça. Maintenant, puis on va le voir après, mais Amazon et Shopify, c'est pas pareil. nous, c'est une multitude, là, peut-être 1 million ou 800 000, 1 million de marchands à l'époque, chacun indépendant. Et donc, on n'a pas le même aspect de data, c'est-à-dire qu'on a des données par boutique, par marchand, mais on ne fait pas de l'exploitation massive de data comme le fait Amazon, et on considère que chaque donnée de chaque marchand est à lui. Et pas Shopify. Donc, il y a un petit choc culturel, j'ai envie de dire, assez fort. Et donc, il y a quand même une logique business, puis tu sais, de la valeur créée est très claire. Le GM, je l'ai mis ici, donc le General Manager, c'est lui qui voilà, il est là depuis, ça fait 10 ans qu'il y a Shopify, il connaît tout le monde, c'est sa quatrième big, enfin, c'est lui qui a lancé le paiement accéléré, etc. Donc, pareil, il a cette compréhension-là que, tu sais, oui, ça va marcher quoi, dedans. Donc, je dirais que ça, c'était clair. Après, ce qui n'était pas clair, c'était l'éthique, quoi. C'est-à-dire, on a eu des débats à l'interne parce qu'on enlevait un choix. C'est un choix. Mais c'est un choix qui n'est pas nécessairement neutre en termes de valeur créée. Donc, ça peut être très bon pour Shopify. Ça peut être mauvais pour l'usager. Là, c'est de la manipulation si on fait ça sans le… Donc, ouais, là, la réponse à ça, ça a été, on a regardé. 90% vont en bénéficier. 10%, il y a un risque.
Et en fait, c'était une des raisons de l'expérience. C'est-à-dire, si on n'avait pas eu ça, si on n'avait pas eu des gens qui avaient un peu une opinion différente, de dire ouais, on y va, ben, on n'aurait pas fait l'expérience. Et le GM, il a senti ça, il a vu que son directeur of engineering était comme ouais, j'aime pas trop ça, ta ta ta. Est-ce que vraiment on a du temps à perdre avec ça? Enfin, bref, il y avait d'autres choses qui pouvaient. Donc, ouais, il y avait des dissensions, mais celle qui m'a marqué et la raison pour laquelle c'est une expérience, en fait, c'est que ben ouais, on se dit éthiquement, on saute une étape, c'est cool. Mais par contre, c'est peut-être pas tout à fait ce que les marchands veulent. Et donc, on voulait vraiment valider qu'on leur causait pas de tort, en fait. Alors, ouais, et du coup, il y a une question d'Hélène, et je pense que c'est une bonne introduction pour la suite, puisque bah, il y a un sujet, effectivement, interrogation de vos marchands et de vos users. Du coup, bah, comment vous arriviez à évaluer à l'époque que l'utilisateur, il préfère le tarif gratuit, hein, le free shipping, puisqu'on parle de ça, et non l'aspect délai, elle demande, qui est Ouais. aussi une composante, effectivement, importante, pour un marchand. Tout à fait. Tout à fait. Donc, en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas de causation, on a de la corrélation. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a, c'est qu'on a du data qui nous dit, voilà, free shipping performe 20% mieux que quand c'est pas free. Donc, mais c'est justement, on n'a pas la preuve. Et là aussi, l'équipe data dit, attention, attention, bah, l'équipe data, moi aussi, je suis un scientifique. Donc, voilà, c'est clair, il dit, ouais, bah, OK, on a de la corrélation, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher. Ça ne veut pas dire que c'est ça le seul facteur. Et donc, ça aussi, c'est un élément, mais qui était moins présent au début, mais qui l'est devenu. Puis, on a vraiment. C'était l'hypothèse de base. L'hypothèse, c'est que si on fait ça, on va avoir cet impact-là. Et le but du AB, c'était de prouver la causation, de dire, ben voilà, les gens qui ont cette expérience-là, voici ce qui leur arrive. Les gens qui ne l'ont pas, donc l'expérience actuelle, ben, normalement, ils ont. Tu sais, le but, c'est de prouver, de dépasser le null hypothesis, je ne sais pas comment dire en français, mais voilà. de prouver qu'il y a une différence entre les deux cohortes, quoi, qui est statistiquement significative. Et à ce moment-là, on a prouvé qu'il y a une différence de comportement qui est uniquement liée au fait qu'ils ont cette expérience-là différente. Donc ouais, c'est une super question. Puis c'est voilà, donc pourquoi c'est pas, pourquoi on ne ship pas comme ça? Ben voilà, il y a ces aspects-là que Data nous dit, wow, attention là les gars, vous pouvez pas prendre 70% de conversion puis l'appliquer à tous les shipping, tout le truc à Shopify. Et l'autre, c'était, ben ouais, peut-être l'aspect éthique là, vraiment, on dit, ouais, mais tu sais, nous, on est les gardiens des données des marchands, gardiens de l'expérience, on leur fait un choix. Enfin, on leur impose un choix qui n'ont pas le choix. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on protège chacune de ces business-là. Donc, ce qu'on voulait faire aussi, c'est regarder boutique par boutique, outil par boutique. Est-ce qu'il y a une différence, quoi? Donc, est-ce qu'il y a par exemple, des secteurs où, tu sais, on peut penser à la livraison rapide, express, ben, je sais pas, mais voilà, il y a des domaines qui ont leur marque de commerce et leur valeur avec la rapidité de livraison. Ben, est-ce qu'on allait impacter négativement cela, quoi, et trouver des types de business, des verticales ou des types qui seraient négativement impactés par le changement. Mais tout ça fait partie de la réflexion. Et déjà, c'est pour ça que c'est une expérience et que c'est pas si simple, en fait. Ouais. Moi, ce que j'aime bien dans ce use case, c'est que vous partez vraiment d'une hypothèse business assez forte, que vous avez quand même de la data qui enrichit plutôt positivement à la base, même si des questions se posent. Et effectivement, ton patron côté ingénierie, il se posait des grosses questions là-dessus. En plus, voilà, il y a le côté éthique qui joue avec, comme tu le disais. Bah, ça nous amène à la suite. Et en fait, grosse data, quand même une data globale, qui soutient l'hypothèse, une hypothèse qui est posée, vous menez l'exercice. Alors, tu vas expliquer que c'est quand même un test AB un peu particulier, du coup, vous décidez d'y aller, et là, il se passe ce qui se passe, il se passe ce fameux bourbier, et du coup, tu vas peut-être un petit peu nous expliquer la conséquence, en fait, de cette prise de décision et de ce go. Ouais, peut-être, mais on peut aller au quel résultat, en fait, les prochaines slides, puis même celle d'après. Donc, ouais, Yes. effectivement, OK, on fait l'expérience, donc on ship ça. Et alors, évidemment, nous, on attendait les deux cohortes qui se séparent clairement. On attendait, on s'est dit, tu sais, en 3-4 jours, on a notre réponse, puis on arrête ça, puis on le met en production. C'est un peu l'équipe là qui veut avoir un impact, qui est là. Et finalement, bon, l'équipe data arrive, dit, hey, c'est pas clair, un jour, deux jours. Alors, Shopify, il y a beaucoup de checkout. Donc, tu sais, c'est pas un problème de trafic normalement. Quand on a un problème pour prouver que c'est statistiquement significant, je sais pas comment dire en français, qu'il y a une valide, que c'est valide au niveau statistique, ben, en général, c'est parce que justement, l'hypothèse est vraie, les cohortes se séparent très, très clairement et on voit assez vite, c'est comme une distribution, les deux distributions, elles s'éloignent. Puis dès qu'elles sont assez éloignées, on dit bah, c'est bon, l'expérience marche, et on a notre causation à ce moment-là. Parce qu'on a vraiment en même temps des usagers qui ont
même dans la même boutique, il y en a qui vont avoir l'expérience A et d'autres qui ont l'expérience B. Et donc, on a enlevé, on a fait la moyenne de tous les autres facteurs, finalement, on les a éliminés de l'équation et on a juste le fait qu'on a ces deux-là. Et là, 3 jours, 4 jours, une semaine, et les deux cohortes ne se séparent pas, c'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout ça apparaître. Il faut voir que ça, c'est embêtant au niveau statistique parce qu'en gros, plus la différence est petite, plus ça prend du temps à prouver qu'il y a une différence. Parce que c'est zéro, quoi. C'est, quand on veut dépasser zéro, l'hypothèse nulle, bah, c'est ça, ça peut prendre du temps. Et voilà, et ce que nous, on avait attendu, prévu, etc., enfin, l'expérience, c'était OK, c'est risqué, c'est un peu difficile, il y a des questions éthiques là, dont on a parlé, mais on s'attendait vraiment à une séparation rapide et d'avoir notre résultat et de pouvoir arrêter l'expérience. Et là, alors, c'est cette période de l'année, donc si votre famille avec le e-commerce, il y a Black Friday, Cyber Monday qui sont bien. Alors Shopify, deuxième jour, c'est à Shopify, j'ai chopé du code en production, il y a une machine incroyable. Alors, shipper du code, enlever du code, c'est facile. Et là, il y a code yellow que je ne connaissais pas, code red. Ça veut dire que le checkout est attaqué. Et donc, tout le pipeline de production est bloqué. On ne fait plus aucun changement. C'est sensible parce qu'on s'approche des fins d'année. Il y a des répétitions, du chaos engineering un peu pour vraiment s'assurer qu'on répond bien. Et là, il y a plusieurs gros clients qui font des drops, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, Adidas qui fait une collaboration avec le Cirque du Soleil et puis qui release 50 000 chaussures. Et tout ça, ça met un stress et il y a des fraudeurs qui attaquent. Donc là, il y a un incident en cours, donc il y a une war room. Et voilà, nous, on veut shipper une ligne de code pour enlever l'expérience, mais c'est impossible. C'est impossible parce que, voilà, on nous dit, le risque qu'on ferait prendre globalement est bien plus grand que voilà, votre petit. Alors, nous, on avait des données, on a fait des calculs quand même pour dire, OK, qu'est-ce qui se passe. Et finalement, ouais, c'est là qu'on arrive avec, ce n'est pas le chiffre exact, mais oui, c'était dans les beaucoup, beaucoup de dollars par heure. les plus qui, voilà, comparé au risque, les gars, ils nous. Du War Room, ils nous ont dit, écoute, ça c'est bien beau tout ça, mais ça, c'est une goutte d'eau dans l'univers. c'est un peu une vanity matrix, là, on en a parlé, mais c'est pas un ratio. Donc à partir de là, oui, ça a l'air gros, sorti du contexte, puis c'est pour ça qu'on a fait un titre accrocheur comme ça, mais par contre, relativement, c'était pas important. Et donc, nous, on se retrouve avec, je me souviens, un jeudi soir, on est au bistrot à côté avec l'équipe, puis voilà, on est mal parce qu'on sait qu'on fait perdre de l'argent aux clients, que l'expérience ne marche pas, on ne comprend pas pourquoi. Hein. C'est juste que on a un effet négatif net au lieu d'avoir un effet positif net. Puis ça, c'est de plus en plus clair et c'est pour ça qu'on n'a pas ça. Ouais. Et voilà, pour arrêter, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, là, c'est encore une fois une question de relation, mais je pense que les PM, c'est important. Je trouve que le à ce moment-là, le CTO de Shopify, Jean-Michel Lemieux, je le connaissais via ma startup avant et puis le monde de Montréal. Donc, je lui ai envoyé un petit mot. Et puis voilà, 5 minutes après, on avait l'autorisation. Et puis, on a réussi à arrêter l'expérience. Mais tout le monde était vraiment stressé. Et puis, c'était une expérience, c'était négative forte. Là. Non seulement le fait de ne pas pouvoir stopper l'expérience sans shipper du code. Oui, mais justement, comment t'expliques à un moment que… comment t'as pris du recul? Parce que voilà, on a affiché le chiffre de 100 000 dollars par heure de perdu pour la société, ce qui paraît être extrêmement important. Et au final, avec du recul, à l'échelle d'un Shopify, c'est, comme tu dis, c'est presque une goutte d'eau. Comment t'as appréhendé le sujet? Parce que, en fait, souvent, quand on fait, je pense qu'en plus, en Amérique du Nord, vous avez quand même une culture différente de la France ici. Comment t'acceptes l'erreur? Comment tu la communiques? Comment tu la partages aux équipes? Et comment tu passes au plan d'après, sachant qu'en plus, dans ce cas-là, tu as une autre problématique avec cette histoire de War Room, des failles de cybersécu à la veille, en plus de grosses échéances pour des e-commerçants tels que le Black Friday, comme tu expliquais, les fêtes de fin d'année. Voilà, comment tu as pu gérer ça? Parce que du coup, tu te retrouves quand même avec une problématique, quelque part des résultats qui ne sont pas au rendez-vous à assumer. Et en plus, tu ne peux pas corriger tout de suite. Il y a deux niveaux. Pour moi, il y avait un niveau de l'équipe où l'équipe, on se sentait vraiment mal parce que notre but, on n'a pas réussi à l'atteindre. Puis c'était l'inverse. Quand on savait qu'on impactait négativement, on ne comprenait pas, mais en tout cas, un grand nombre de marchands, disons. Donc cet aspect-là, c'est là où finalement, moi, je suis passé un peu par les canaux habituels, Linda, là, qui était l'ingénieur qui travaillait avec moi à ce moment-là, j'ai dit, hey, qu'est-ce qu'on fait? Elle en a parlé à son directeur.
Bon, eux, ils étaient comme, ben, on attend, je veux dire, ils respectaient un peu la chaîne de commandement, si tu veux, voilà. Et puis, encore une fois, par relation, moi, je parlais au GM, il m'a dit, bah, tu dois lui parler, tu connais CTO, écris-lui, puis tu vas voir ton notation, c'est pas grand-chose. Mais là, après, c'était, est-ce que, là, mon ingénieur, il fallait qu'elle prenne la responsabilité, c'est pas moi, tu sais. Donc, c'est là qu'on était au café après, pour décider ça, pour dire, bah, tu sais, on a cette option-là, mais voilà, c'est possible que le single one-liner à commenter, il marche pas, on l'a jamais testé, hein, donc, pour vrai. Enfin, on l'a testé sur dev, mais on l'a pas testé en production dans un contexte où il y a déjà des attaques et tout ça. Donc, ouais, ça, c'est l'aspect avec l'équipe. Puis, je pense, avec l'équipe, la décision, c'était qu'on veut agir, on s'en fout s'il y a un risque pour nous. Et voilà, tu sais, on a parlé, ouais, est-ce qu'on va se faire virer? Non, non, mais j'exagère, mais c'est pas la culture, mais c'est, ouais, on en a parlé, dans l'équipe, en tout cas. Donc maintenant, ma direction, c'est super, voilà, incroyable, quoi, dans le sens, mon directeur, il m'a dit, ah ouais, bah, c'est parfait, c'est normal, j'adore les expériences qui marchent pas, ok, moi je préfère celles qui marchent, dans ce moment-là, tu sais. Et le GM aussi, le GM a dit, bah, écoute, c'est pour ça qu'on fait l'expérience, c'est compliqué, etc., et puis, et voilà, mais voilà, et donc ils ont vraiment poussé pour qu'on ait une résolution. Peut-être on peut aller à l'autre slide en fait. Ouais, bien sûr. Justement, un peu post-analyse, résolution, notamment, si tu as ton analyse, voilà, post un mois, avant d'en tirer les insights, les conséquences, etc. Moi, ce qui m'intéressait aussi de discuter avec toi, c'est du coup, on comprend que c'était aussi une volonté, une hypothèse qui vient du general manager et que toute l'équipe et toute la direction, que ce soit côté technique ou côté business, du coup, accepte la prise de risque, l'hypothèse et l'échec lié à tout ça. Alors ensuite, qui est-ce que, voilà, quand on rentre dans l'action et dans la correction, qui est-ce qui enclenche? Est-ce que c'est vous l'équipe? Est-ce que, avec l'accord de la direction, est-ce que c'est la direction qui vous propose de partir direct dans l'action? Voilà, comment ça s'est fait là, le fait de corriger tout ça et d'en sortir par le haut? Ouais, bah en fait, c'est vraiment, je pense que ça vient de l'équipe d'abord. En fait, si l'équipe n'a pas été soudée, ou etc., puis si je parle un peu du contexte aussi de l'analyse, c'est que là, l'équipe data se trouve à pas être très motivée pour plein de raisons, parce qu'en fait, ils ne connaissent pas le checkout, ils ne connaissent pas le front-end, ils sont experts dans du A/B testing, dans shipping, donc pour les marchands, pas pour les consommateurs. Donc là, on prend ça, et le gars qui était data analyst, d'ailleurs, histoire vraie et amusante, Michal, mais donc Michal était data analyst, et lui, j'ai eu la chance de l'accompagner, il est devenu product manager suite à cette expérience-là. C'est plus fun ça, puis tu sais, il a les bons skill sets et tout là pour creuser, 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 puis passer un peu les barrières. Donc j'ai justement, le data warehouse n'était pas propre parce qu'on avait trois équipes en silo. On utilisait trois systèmes différents. Ça s'invente pas. Donc, Amplitude côté shipping, Clickstream, un système maison niveau checkout à cause de la performance, puis Mixpanel au niveau mobile. On va voir que le mobile était impliqué dans l'affaire, évidemment. Mais voilà, mais donc j'ai directé dans l'équipe interne, il appuie. Les deux autres équipes, que ce soit checkout et payment, à ce moment-là, ont pris beaucoup de retrait et puis c'était plus difficile d'avoir des communications parce que pour eux, ils étaient impliqués, mais tu sais, avec le recul, pas nécessairement assez, quoi. Il aurait fallu, voilà, vraiment avoir trois champions qui soient là à chaque étape du projet, etc. Alors que là, on avait plus une relation transactionnelle, quoi. Hey, on a besoin de vous pour ça. Ouais, pouvez-vous reviewer notre code? Ouais, ok, ça a l'air correct. Ouais. Donc, beaucoup plus. On a vraiment gardé l'ownership puis le lead en les impliquant, voilà, minimalement, j'ai envie de dire, au point de contrôle voilà, essentiel. Mais oui, donc, déjà, l'appui, c'est vraiment équipe produit. Et puis, je disais, tu es ingénieur data scientist, là, au niveau individuel. Et moi, tu sais, c'était clair que je voulais pas. Enfin, j'aime comprendre. Puis, c'était. Bah, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il faut pour comprendre, hein? Bah, c'est compliqué. Ouais, ok, mais so what? Okay. Comment est-ce qu'on avance? Et avec un bon support, hein, je le dis. Là, si je n'avais pas eu de support, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais dans ce cas-là, la question ne s'est pas posée. Puis, c'est une belle leçon de leadership aussi, quoi, je trouve, à ce niveau-là. Ouais. Avant d'entrer dans les causes racines de cet échec, parce que bon, toi tu les connais plus longtemps, moi je les ai connus à travers toi, et on va faire découvrir tout ça à tout le monde, les causes liées à cet échec et à l'échec de cette expérience. Toi, avec du recul là, sur l'équipe data, si tu dois donner un conseil de collaboration entre équipe produit et équipe data, je vois qu'il y a un environnement outil hyper diversifié. Tu remontes quand même que c'était un pain point, justement, peut-être en termes de conseils. Vu que maintenant tu es quand même un product leader, est-ce que tu as tiré des insights dans ta collaboration, dans le conseil que tu portes avec des équipes data et justement comment demain tu ferais différemment Ouais. avec ces équipes data? Ben ça, je pense que, tu sais, nous, on a, alors,
Shopify, il y a un concept de champion, en fait. C'est-à-dire que quand il y a une initiative comme ça, il y a quelqu'un qui pousse. Donc là, dans ce cas-là, c'était moi. C'était moi au début jusqu'à l'analyse. Puis à partir de l'analyse, on a changé. Puis c'était le data scientist qui est devenu product manager. mais je dirais que il y a un concept de trifecta ou triade, quoi. Donc, tu sais, business value, feasibility et puis utilisabilité. Donc là, il y a des problèmes dans les trois, mais je veux dire, souvent, on considère la faisabilité comme pure engineering. Et dans ce cas, ce n'est pas vrai. Dans ce cas-là, c'est qu'il fallait un ingénieur et il fallait un data scientist, membre de cette triade. Puis ce n'est pas une triade en termes de trois personnes. Aujourd'hui, mon approche, c'est une triade en termes de il faut couvrir ces trois aspects à 100%. Et si ça prend deux personnes pour le couvrir, trois personnes pour le couvrir, un, ben, il faut faire ça. Et donc, les décisions, la gestion du projet, la gestion de tout, si on avait fait ça dès le début, c'est-à-dire qu'on avait vraiment notre data scientist avec nous et on itérait et on faisait tout ça, ben, je pense qu'on aurait évité beaucoup de ces choses-là. Et donc pour moi, c'est vraiment identifier les risques dans un projet et trouver l'équipe la plus petite, ça c'est toujours très bien, qui va avoir cette ownership, cette expertise, cette compréhension. Mais par exemple, si vous faites une expérience, ben, il vous faut un data scientist quoi, enfin, dans la gang, parce que sinon vous allez avoir des points morts. Dans ce cas-là, il y avait trois équipes. Donc, pareil, c'est un mode de gestion de ça. Là, c'était une expérience. On n'avait pas fait une demande formelle. Ils n'avaient pas vraiment sur leur roadmap et tout. Puis là, moi, j'aurais été comme non, tu sais qui, à qui on parle chez vous. Pareil, j'aurais beaucoup plus ça. Pas garder ça informel pour dire ben, voilà, on a besoin de vous. Là, voici la période. Voici le release schedule. Puis voilà, on n'a pas juste besoin que vous fassiez des PR là. On va avoir besoin de vous si ça va mal. Et si ça va bien, on va faire ensemble. Voilà, on aura les fruits de cet effort, puis tout le monde va en bénéficier. Mais c'est la même chose, c'est dire, OK, là, clairement, on est à la frontière de plusieurs équipes, puis dans ce cas-là, ça coûte plus cher, ça prend plus de temps, mais si tu veux le faire bien, ben, et s'il y a du risque, ben, je pense que ça vaut la peine d'être bien fait. Et je dirais que c'est vraiment de ouais, donc changer un peu le... Pas changer, mais comprendre que la triade, là, c'est pas trois personnes, c'est business, value, et puis usability. Et il faut les personnes qu'il faut, peut-être plus que trois personnes. Et sans doute plus que pour une expérience, en fait. Ok, peut-être super clair. Peut-être que du coup, on avance la suite et les grands, en fait, pourquoi, en fait, il y a eu tout cet échec et ce que tu as compris et ce que tu en as tiré. Parce que je trouve que c'est ultra intéressant et du coup, ça donne des réponses aux questions de OK, il y avait une data au départ, une hypothèse, tout était corrélé, vous y êtes allé, je pense, à la base plutôt sereinement. Ah ouais, sereinement, nous on voyait déjà, tu sais, c'est comme, je me voyais déjà en haut de l'affiche, oh shit, on a réussi à améliorer la performance globale du checkout de Shopify par 0,1%, ce qui est énorme, tu sais. Bon, voilà, c'est que l'équipe voyait. Et du coup, pourquoi ce badaboum? Et du coup, t'en retiens 5 éléments clés, notamment le premier, je trouve, qui est vraiment ultra iconoclaste et très très clair. Tu veux nous expliquer donc, un peu tout ça pourquoi ça arrive, puis pourquoi ça a pris un mois et demi, hein. C'était du travail, ça a été du grind, ça a été du... Et je l'ai expliqué, donc les trois équipes, des systèmes différents, ramener toutes les datas dans le data warehouse, s'assurer qu'elles soient clean. Puis là, on s'est mis à comprendre. Donc là, on a remarqué, ah ben ouais, mobile, ça marchait moins bien. En général, on ne sait pas pourquoi encore. Donc évidemment, design n'était fait que sur desktop, test, bon, environnement local. Je pense à l'époque, on n'avait pas de test automatique sur mobile, donc on testait sur desktop. Toute l'équipe est sur desktop, test sur desktop. Bon, voilà. Donc, ça, c'est un autre truc que j'ai appris, mais on. Donc, ouais. Là, certains usagers, c'est pas tout le monde. Donc, là aussi, OK, pourquoi juste eux, pas lui, etc. Donc, là, on creuse. Et puis, finalement, il faut se rendre assez loin pour dans le flow. Donc, je disais, il y a l'équipe shipping. Donc, là, OK. Avec Checkout, on comprend que c'est mobile seulement, etc. Puis il fallait vraiment aller à l'étape d'après. Donc, c'est au niveau du paiement. Donc, on a trouvé que des usagers qui avaient des flots accélérés. Donc, je sais pas, PayPal là, ou OneClick Button là aujourd'hui, il y a ShopPay, Apple Pay, Google Pay, tous ces trucs-là. Boum, ben, sous-ensemble de ça. Puis deux importants pour Shopify, ShopPay et PayPal étaient impactés. Et là, ce qui se passe, le pourquoi maintenant, on comprend, on peut le reproduire. Ben, j'ai dit, on changeait la visibilité du champ. Donc, si vous vous souvenez, là, on va présélectionner donc le free shipping. Et en fait, c'est ces trucs-là, à l'époque, là, maintenant, c'est beaucoup plus solide, mais à l'époque, c'était comme des hacks, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait du code qui dépendait d'événements, d'éléments CSS, genre. Et on a changé un élément CSS. Et du coup, ben, au lieu de ne pas voir l'étape de sélection du shipping, tous les usagers Shopify et PayPal qui étaient dans le groupe de test, ils se retrouvaient à, eux, voir la sélection de shipping.
et ça a changé leur expérience. Alors souvent, c'est des power users, ils achètent beaucoup, ils ont configuré leur wallet parce qu'ils ne veulent pas se casser la tête avec ça. Et pour eux, le flow c'était un gros changement et le flow était cassé, quoi. Ça ne fonctionnait plus pour eux. Donc, une drop pour ça et en moyenne, cette petite fraction des délais-là, avec la grosse drop, bah, ça faisait que on avait un basé sur les nous, on n'avait pas identifié ces cohortes-là, donc ils étaient dans le groupe global et ça faisait qu'on avait un zéro ou légèrement négatif finalement. Pour ça. Donc, en voulant améliorer la vie de tout le monde, finalement, on a pourri la vie des power users qui sont un tout petit groupe, mais qui avaient vraiment une grosse baisse dans la conversion. Et justement, avant de passer, toi, tes enseignements personnels et tes conseils là-dessus, hein, autour de cette expérience qui vont, je pense, apporter beaucoup de valeur à notre Audimat, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que ça a changé, je pense notamment justement à toute l'expérience mobile et le test mobile, est-ce que ça a changé des process chez Shopify? Est-ce que aussi ça a fait évoluer les pratiques, la méthode de travail autour du produit? Parce que autant que l'expérience et la perte peut-être fassent progresser quand même l'organisation globale. Ouais, ben ça, donc voilà, c'est le truc dans lequel j'ai contribué directement. Donc, l'histoire d'avoir trois plateformes d'analytics, c'est terrible. Donc là, moi, un truc que j'ai fait, voilà, je participais activement, j'ai dit, il n'en faut qu'une. Puis c'était un truc qui était dans mes buts là, pour justement aider à évoluer. Donc voilà, à un moment donné, on a sélectionné Amplitude à la grandeur, on a un CSA partout. Ces trucs-là, c'est du passé. Enfin, je veux dire, et c'est une des raisons. C'est parce que nous, on a dit, ouais, on veut être l'équipe qui lead ça. Pourquoi? Parce que, voilà, nous, on se retrouve à la frontière. Il faut bien voir aussi que notre équipe de shipping, à ce moment-là, elle travaille principalement avec des marchands. On ne parle jamais aux consommateurs. L'équipe du checkout, elle est entre les deux. Mais je l'ai dit, son concern, c'est la performance et la fraude. Et voilà, c'est SOC 2 et PCI et sécurité. Écoute, c'est ça leur job. Ouais, bien sûr. Et à l'inverse, donc l'équipe avec Accelerated Payment, eux, ils sont focus sur l'utilisateur à 100%, ils comprennent ça, mais les trois, on est dans des mondes différents, quoi, pour des raisons d'efficacité, quoi. Donc, ouais. Mais donc, l'analytics, ça a été un truc, le design, donc du checkout et tout. Ben oui, tu sais, à partir de là, à l'époque, là, c'est vraiment stupide parce que 65% déjà des achats étaient sur mobile. Aujourd'hui, c'est plus. Donc, ouais, maintenant, n'importe quel design de checkout, c'est mobile seulement. Enfin, on montre que le mobile. Ça, les designers, ils n'aiment pas ça. Parce que, en général, il y en a qui aiment, mais en général, tout le monde aime designer une super expérience, un écran 36 pouces, puis etc. Et montrer plein de choses pendant la démo que tu fais au board ou machin, au comité exécutif. Ben non, il faut montrer l'interface Zen où il n'y a à peu près rien. Il y a un peu de place. Et c'est plus difficile de briller, quoi. Enfin, entre guillemets, là, j'ai envie de dire, en tant que contributeur individuel. Donc, ouais, ces changements-là. En effet, je pense que c'était transversal. Puis le fait d'avoir ces trois équipes-là impliquées, ça donne du poids parce qu'après, tu peux vraiment expliquer le problème. Puis toi, tu as un cas réel que, regarde, si on avait eu quelque chose de différent, on n'aurait pas eu ça, quoi. Et est-ce que parce que tu expliquais la problématique avec le CSS, parce que c'est vrai que c'est intéressant ta réflexion sur le design, de dire c'est toujours plus facile de designer sur un grand écran avec plein de complexité à envoyer de la feature pour créer quelque part de la magie, mais au final, ça perturbe l'utilisateur. On n'est pas dans une réflexion simplifiée et du coup, il y a plein de fonctionnalités qui ne servent à rien. Dans une vision lean ou dans une loi de Pareto, c'est plutôt clair. Et ça, je pense que tous les products le partagent. Mais néanmoins, ma réflexion, c'est qu'à un moment, tu as quand même dit « Ouais, c'est technologiquement, on n'était pas prêt » parce que mine de rien, cet échec, c'était quand même avec une volonté de simplifier l'expérience. C'est ça qui est rigolo. Et du coup, est-ce que tu penses ou est-ce que vous en avez eu la conviction? Est-ce que tu as peut-être pu le voir après, par la suite, que ça aurait pu être une bonne idée peut-être plus tard quand la technologie, tu vois, tu parlais de faisabilité, était prête? Parce que du coup, en fait, peut-être qu'avec l'évolution des frameworks, tu parlais de la problématique autour du CSS et du coup de la visualisation côté client, est-ce que en fait, c'était peut-être une fausse bonne idée? Peut-être qu'en fait, c'était une bonne idée, mais trop avant-gardiste avec les capacités de l'époque? Ouais, alors peut-être, la bonne nouvelle, c'est que cette expérience-là, elle est implantée maintenant, quoi. Ça a juste pris… Ouais, c'est ça. Ouais, ça a pris 6 mois, quoi. Ça a pris 6 mois et du travail, et etc. Mais je veux dire, au final, une fois qu'on avait compris tout ça, et peut-être dans la conclusion, mais c'est que, cette expérience-là, maintenant, c'est celle qui est par défaut pour tout le monde. Et on a réglé ces problèmes en travaillant avec ces équipes-là, en nettoyant les interfaces, il y avait une question de ownership, puis… Qui s'occupe de quoi dans quelle équipe? Puis tu sais, les problèmes, ils se retrouvent toujours à l'interface des équipes, c'est sûr.
Donc voilà, là, il y avait un paquet de problèmes à chacune des interfaces qui avaient besoin de réflexion, de pensée, de nouveaux outils, de nouveaux processus pour qu'on voilà, on revive pas ça. Alors là, c'était à petite... Enfin, comme c'est une expérience, le risque était vraiment mesuré et c'est le but. Hein, donc, on a réussi quand même à vraiment pas avoir un impact extrêmement négatif. Mais oui, il y a eu beaucoup d'enseignements et en particulier, comment est-ce qu'on était structuré entre les équipes et surtout parler un langage commun parce que là, c'est le problème que... Gars, des analytiques, oui. Ah ben, j'ai ça là. Ouais, on va passer aux enseignements, hein, mais en fait, c'est intéressant aussi d'en sortir et de ce que je comprends, de ce que tu nous racontes, c'est que vous aviez une hypothèse, vous l'avez testée, le test est un échec, mais en soi, peut-être que l'idée est quand même bonne et peut-être qu'en fait, il fallait aller au-delà du test et il fallait aller beaucoup plus loin dans le dev, beaucoup plus loin dans la réflexion autour du delivery pour qu'en fait, l'idée soit bonne. Et en fait, parfois, on remet aussi en cause l'idée de base par des tests non concluants, mais en fait, peut-être aussi que la manière dont on l'a testé n'est pas la bonne et qu'en fait, il faut recommencer et que jusqu'à trouver en fait le bon créneau. Tout à fait. Ouais. Puis, c'est là l'idée, c'était trop tôt dans le sens où je pense qu'avec la croissance des équipes, puis le contexte a vraiment contribué. Tu sais, on parle d'intelligence contextuelle. Ben, avec rétrospectivement, quand j'explique le contexte, c'est simple, mais quand tu es en train de pédaler dedans, souvent, c'est là que tu as du mal à voir ce contexte-là. Puis toi, tu focalises plutôt sur tes objectifs, l'objectif de ton équipe, l'objectif de ton business unit. L'objectif des autres, oui, tu les comprends en tant que PM, puis ça fait partie de la job. Mais voilà, tu ne comprends pas nécessairement les dépendances, surtout quand elles sont assez creuses comme ça, au niveau soit de l'outil, des process ou de l'implémentation. Donc ouais, pareil, pour fermer la boucle, puis moi, je crois beaucoup à ça. Premièrement, on apprend des choses négatives. C'est pour ça que je trouve que le brebier, c'est une belle... l'initiative, tu sais, il y a une raison psychologique à ça. En fait, on retient 20 fois plus les éléments négatifs que positifs dans notre cerveau. On pense que c'est un trait de l'évolution. Et c'est la même chose au niveau de l'équipe qu'au niveau de l'organisation. Donc, pour moi, et c'est vraiment la question que tu m'as posée avant, c'est bah ouais, il y a plein d'enseignements qui ont changé les manières de faire parce que c'est quand même une expérience négative, même si on a contrôlé finalement le blast radius, quoi, le risque pour la business. C'était pas un risque pour la business, il y avait d'autres risques bien plus grands. Mais bref, donc ouais, et pour moi, la manière d'apprendre, c'est des rétrospectives des post-mortem, puis tu peux les faire à plusieurs niveaux. Donc ici, et là, au sein de l'équipe produit, donc dans shipping, avec shipping, parce qu'on a un chantel, on en parle, puis dès qu'on a compris, on l'a expliqué, puis dès qu'on a pu repartir le projet, alors on l'a reparti différemment, on verra après, mais au final, voilà, on garait tout le monde au courant, et incluant vraiment à chaque fois qu'on avançait dans la compréhension, donc pas juste. Le résultat final, ça marche pas, puis voilà, mais vraiment aligner tout le monde sur comment est-ce qu'on pense, sur qu'est-ce qu'on apprend, et ça c'est bien bien important au sein de chaque équipe de faire ça. CPO, super intéressé à ça, Craig, là, vraiment personne merveilleuse, puis yeah, Ben, faut qu'on se parle, ok, est-ce que j'ai encore ma job, non mais non, là, et c'est quand, ah, ben, parle-moi de ton expérience et tout, puis il m'a vraiment allumé parce qu'en fait, même dans le langage qu'on a aujourd'hui, on assume qu'une expérience, pour qu'elle marche, il faut qu'elle soit positive. Puis lui, il m'a dit non, t'as pas compris. C'est des expériences négatives, c'est elles qui marchent. C'est pour ça qu'on fait des expériences. Si 80 à 90% de tes expériences sont toujours positives, tu devrais shipper ton code. Tu vas pas faire d'expérience, ça sert à rien. Mais si tu fais des expériences négatives, c'est parce que tout le bon sens, l'hypothèse, etc., les assumptions qu'on avait, ben, il y a quelque chose qu'on a manqué. Quoi. On a manqué et il y avait un blast radius important, il y avait un impact qui pouvait vraiment être pas bon et qu'on n'aurait peut-être même pas mesuré dans ce cas-là. C'est encore pire que pas bon. C'est-à-dire qu'on aurait shippé le code. Bon, ça marche. Tu sais, il n'y a pas de bug, personne ne se plaint. Ah ouais, mais voilà. Et on n'avait pas l'instrumentation de la PSU. Donc ouais, et puis c'est ça, il a été vraiment super aidant. Et aussi, il a dit, bah, regarde, tu sais, il faut vraiment que tu partages ça. Donc on a aussi fait un petit case study quoi, avec tous les PM à Shopify, un peu comme le Bourbier finalement, on a dit ok, voici ce qui s'est passé, et là il y avait des PM de toutes les équipes, hein, donc un client de checkout, un client tout ça, puis ça a beaucoup beaucoup aidé justement, tu sais, dans la question que tu me posais après, à dire au niveau organisationnel qu'est-ce qu'on a changé, ben voilà, il y a un petit texte, il y a machin, il y a un résumé, puis ça fait partie de ben, voilà, une expérience, qu'est-ce que c'est, et pourquoi on fait des expériences, plutôt que bah, c'est pas bien, on va vous blâmer, vous êtes bon, stupide, pourquoi vous n'avez pas pensé à ça, ça, ça et ça. Tu sais, c'est blameless, il n'y avait pas de recherche de blâme, au contraire, c'est allons sortir, hein, exactement ce qu'on fait aujourd'hui, c'est allons sortir les enseignements et allons partager ça avec tout le monde au niveau product et voir
qu'est-ce qu'on change, quoi? Qu'est-ce qui peut rentrer dans la roadmap de tout le monde? Qu'est-ce qui peut faire du sens pour améliorer finalement? Et pas reproduire les mêmes erreurs, quoi, parce que c'est voilà, Einstein, quoi, la définition de la folie, c'est de faire la même chose en espérant un résultat différent. Bon, on ne voulait pas être fou, et donc on voulait faire ça. Donc, Ouais, super intéressant. Et je crois, du coup, ce que tu disais, tu en tires des insights assez forts d'un point de vue orga. J'anticipe sur la suite, mais du coup, peut-être que tu peux nous raconter un petit peu voilà, les insights que tu en as tirés d'un point de vue organisationnel sur le sujet. Bah, avec plaisir. Ouais. Donc, peut-être le prochain slide, là, tu sais, c'est bête, mais c'est un concept important. Là, on dit que comment on structure notre organisation, le design organisationnel, ben, on le design de sorte que c'est vraiment facile de travailler au sein d'une équipe. Donc, exemple, shipping, puis on fait juste améliorer l'expérience de nos marchands pour l'interface web ou l'API. Ben, on est autonome, on a la conscience du domaine, on est vraiment empowered, là, en termes de définition. Mais dès qu'on va franchir les frontières de une, deux, trois équipes, ben, honnêtement, il faut vraiment mettre. Enfin, moi, aujourd'hui, je mets toujours ça sur la liste projet à risque, quoi. Projet à risque, parce qu'il y a tellement d'inconnus. C'est trois domaines différents, avec des contextes différents, avec des buts différents, des roadmaps différents. Alors, on les connaît superficiellement, mais c'est très, ça va être très difficile de trouver quelqu'un qui a les trois contextes, quoi, dans ce cas-là, ou les deux. Ça arrive, mais c'est rare. Et ça va être très dur de trouver quelqu'un qui a ça au niveau UX, au niveau produit, et au niveau. Donc, tu sais, voilà. Et là, ça fait qu'on va se retrouver avec des groupes de travail plus grands, on va se retrouver avec des problèmes de. C'est quasiment project management, de dépendance, de ci, de ça. Donc, ouais, plusieurs trucs à ça. Mais ouais, je dirais, en tant que PM, c'est pour ça que tu as créé des relations transverses avec toutes les équipes. Quand j'ai demandé à Shopify, le GM, il m'a donné 60 personnes à rencontrer. C'est parce que, voilà, il savait, dont des gens, en tout cas, dont des gens. Donc, je partais pas d'une page blanche, plus heureusement. Mais même à ça, tu sais, aujourd'hui, j'aurais investi plus avec le recul. J'ai vraiment créé tous ces liens-là forts. Avant d'aller dans le relationnel, avant le transactionnel finalement, avant d'aller demander quelque chose pour comprendre comment ça marche, pour comprendre comment est-ce que je peux m'insérer là-dedans pour vraiment en fait faire le lien quoi entre ça quoi. Ouais, mais du coup tu vois c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dans les commerces mine de rien l'expérience de A à Z elle est super importante pour les clients au-delà voilà d'un domaine fonctionnel. Bah, tu disais là sûrement que Shopify depuis se sont musclés, densifiés pour gérer tout ça et gérer un peu des process un peu complexes inter-équipe. Toi aujourd'hui, comment tu le prends ou comment tu le prendrais justement? Est-ce que bah, je sais pas s'il y avait des product ops à l'époque ou c'est ça, il n'y en avait pas. Puis je dirais, parallèlement, j'ai fait un autre projet après Shopify qui était un peu le même genre. Là, ça touchait 5-6 équipes. Puis on a vraiment fait un groupe de travail, voilà, on avait des projets en parallèle, on avait les weekly meetings où chaque initiative reportait, on avait différents leads de différentes équipes. Pendant le Covid, là, on a shippé local delivery, donc la livraison locale pour Shopify, en 12 semaines dans 6 domaines transverses. Donc, c'était vraiment. Et une des raisons pour laquelle on s'organise comme ça, c'est cette expérience-là qui m'a vraiment allumé sur le fait que, voilà, we ship the org. C'est-à-dire que, tu l'as dit, le client holistique, client, il s'en fout, désolé, il s'en fout. Mais si tu ne comprends pas en tant que PM que ça va être difficile, et bah, tu n'y arriveras pas, tu vas être frustré, et puis tu sais, c'est pas très agréable. Alors que si tu comprends que non, ça va être OK, difficile, il faut que j'aille nécessairement au niveau au-dessus, il faut que j'arrive avec les directeurs ou les VP, et que les VP me disent oui, c'est eux mes stakeholders, et ils vont devoir m'assigner des ressources, et on va travailler ensemble, et il faut que ça soit sur la roadmap de chacune de ces équipes-là, il ne faut pas que ça soit un side project, ouais, je vais t'aider quand j'ai le temps, ah bah tiens, lui, il a du temps, il va travailler 2 semaines sur ton truc. Donc, ce truc-là informel, je pense que ça peut marcher pour des petites choses, du bug fix, puis des itérations, mais ça ne peut pas marcher pour une initiative voilà, de 0 à 1 quoi, ou un truc qui est intrinsèquement, j'ai 3 équipes et plus, mais 3 équipes et plus, ça prend quelqu'un qui va faire ce job-là, de product ops, product management, là, enfin, à la limite, et coordination pour qu'on arrive. Et surtout, comme je dis, le but, il faut vraiment que le pourquoi… tout le monde le comprenne et que ça soit sur la roadmap, sinon t'as pas de leverage, t'as pas de levier pour arriver à tes fins quoi. Et ça va peut-être marcher, peut-être pas, mais si ça va mal, ça marchera pas assez vite, ça part très vite c'est un mauvais spawn quoi. Ouais, j'anticipe un petit peu sur la suite, mais je trouve 2 bonnes leçons qu'on peut retenir qui sont intéressantes dans ce que tu dis, et je trouve qu'on note après dans tes exemples d'après qu'il y a une grosse progression pour vous chez Shopify, et c'est ça qui est intéressant aussi de cet échec, c'est de 1, une expérimentation, il faut accepter l'échec, sinon en fait
délivre directement, à ce que tu disais, ship le code directement, parce que si tu es sûr de toi, bah, autant que ça soit dans du pur délivré et pas dans de la validation, Exactement. dans de la discovery et dans de la validation d'hypothèse, sinon ça ne vaut pas la peine. Et ça, je trouve que c'est un bon learning pour nous tous. Le deuxième learning que tu tires, c'est si tu transformes l'expérience de manière assez profonde qui touche du multi-équipe, bah, ça ne se fait pas comme ça sur une simple expérimentation. Ça se prépare, ça se valide avec la direction, avec les stakeholders, ça s'inclut dans les roadmaps et on embarque tout le monde et on embarque tous les PM notamment pour qu'il y ait un alignement et que ça délivre. Et vous dites que vous l'avez plutôt bien réussi par la suite. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon key learning aussi à garder en tête. Ouais. Peut-être qu'on passe à la suite parce que justement, tu as peut-être d'autres expériences ou d'autres key learning en termes de process que tu tires de cette expérience-là. Ouais, donc là, l'expérience, il n'y a pas de kill switch, donc tu sais, des feature flags ou bref, la capacité de l'activer, de la désactiver sans shipper de code. Puis encore une fois, on va revenir au pourquoi de ça. Moi, ça m'a, bah, j'ai fait ma propre rétrospective, si on veut, mais et le pourquoi, c'était assez simple, c'est parce que. En gros, il y a une expérience de, il y a une plateforme pour faire du data science à Shopify pour gérer toutes les expériences. Mais Shopify, il faut bien comprendre que nous, notre client principal, c'est le marchand, c'est du B2B2C. Donc, nous, beaucoup d'expérience avec les marchands, avec les boutiques, avec tout ça. Et là, cette expérience-là, elle n'est pas avec le marchand, elle est avec le consommateur. Et donc, que, ah, ben, le système de monitoring et tout ça pour le consommateur, donc dans le UI, n'est pas compatible. À l'époque, avec notre plateforme de A/B testing. Et donc, moi, je fais ce que fait un PM. Hein. Je dis, hey, engineering, data, décidez, moi. C'est pas moi qui vis avec les conséquences. En fait, si, mais mais là, c'est pas mon domaine d'expertise. Et donc, allez-y. Bah, data scientist, qui dit, bah, écoute, voilà, on va avoir une ligne de code et tout. On n'utilise pas le feature flag, le progressive rollout et tout, parce que bah, c'est pas comme ça marche. Puis, voilà. Et par contre, on va le faire. Et c'est pareil, c'est une décision, tu sais. Être un bon PM, c'est essayer de prendre des bonnes décisions tout le temps, enfin les meilleures décisions possibles. Et ouais, alors rétrospectivement, ce n'est pas une bonne décision. Et c'est pareil, c'est là où tu dis, bon, bah, est-ce que j'accepte la complexité des outils et tout ça, ou est-ce que tu dis, non, 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 moi je m'en fous, kill switch, c'est un non négociable. Là. Prenez la technologie que vous voulez, mais mettez-moi une kill switch qui n'a pas besoin de déploiement de code. Aujourd'hui, c'est ça, les équipes, tout ça, je ne ferai pas une expérience sans ça parce que c'est trop. Tu sais, c'est pourquoi stresser, pourquoi se faire du mal, tu sais, potentiellement, alors que normalement, il y a des outils, normalement, il y a tout ça. Donc, kill switch, là, pas besoin de déployer de code, puis habilité de, tu sais, soit c'est 0 à 100%, mais bref, il y a plusieurs méthodes, mais il y a plein d'outils qui existent maintenant. Puis déjà, pour une expérience, il faut le prendre avec le même, jamais avec encore plus de sérieux qu'un rollout, quoi. Presque. Justement, peut-être, je rebondis juste là-dessus. Est-ce que toi, tu as justement un outil à conseiller là-dessus? Je ne sais pas, même peut-être que vous utilisez maintenant chez Plateforme. Ouais, bah en fait, je sais pas, t'sais, la plupart des compagnies où je suis allé, même des startups, c'est toujours la question buy or build, quoi. Est-ce que j'achète un truc ou je le fais? La plupart le font eux-mêmes. Moi, j'ai déjà utilisé LaunchDarkly, que j'aime beaucoup, qui est vraiment dédié à ça, quoi. Si vous avez rien et si vous arrivez à convaincre les ingénieurs, je trouve que c'est vraiment une belle solution. Voilà, je ne suis pas dans les leaders, mais ouais, pas loin, je pense qu'ils ont vraiment un focus juste sur ça. Les autres, tu vas trouver ça dans. Il y en a plein, il y en a dans GitLab, il y en a dans CI/CD, il y en a dans. Bref, mais ouais, si jamais c'est vraiment besoin et que vous avez une équipe ingénierie qui est ouverte à voilà, ça, c'est puissant et ça gère tout ça. Ça gère les mobiles, ça gère les. Qu'est-ce que tu veux ça. Bref, tu as beaucoup de valeur aussi, outre que sinon il va falloir implémenter vous-même et mettre en place, quoi. Donc, mais ça, j'ai. Ouais, dans une startup, là, et ça marche très bien, quoi. C'est vraiment cool, quoi, dedans. Un point, c'est les vanity metrics. Ben, on parlait du 100 000 dollars et tout. Oui, c'est gros, mais au final, c'est une erreur typique. Et en fait, je sais pas, moi, j'ai l'analytics et tout ça. Donc, oui, on comprend que normalement, c'est toujours un ratio, etc. Donc, nous, on a dit, ah, on va augmenter de 10 bips, c'était des basic percentage points, ça veut dire 0,1% du checkout. Mais en fait, on a une certaine pression sociale, quoi, dans l'ordre. Ouais, mais c'est combien? C'est combien? C'est combien? C'est combien? Parce que tout le monde. La proximité de notre North Star Metric, tu sais, Shopify, c'est le checkout, c'est le GMV, a fait qu'on est tombé, tu sais, on a écouté les voix des sirènes, quoi. Et on a fait, ah ben bah ouais, ok. Bah, c'est pas une si grosse différence, tu sais, 10 bips ou tant de dollars, tu sais.
par semaine, par mois, par tout ce que tu veux. Là, tu peux arriver avec des chiffres qui sont très gros très vite. Et effectivement, on s'en est servi. Enfin, on s'en est servi pour motiver et pour dire ah ouais, tu sais, ça a de la business value, quoi. Mais c'est au final une vanity metrics, puis ça a été super clair avec l'incident et le code red, quoi. C'était comme ben bah, ouais, petit truc, on s'en fout, tu sais. Bon, mmh. Bah, la vanité prend un coup. c'est ce qu'on disait, le montant, il paraît énorme comme ça quand tu le vois en valeur, mais en fait, quand tu le remets en perspective avec vos chiffres à vous et les montants générés, en fait, tu te rends compte que l'impact, il est limité et que du coup, la métrique, elle fait plus peur qu'autre chose. Exactement, elle fait plus peur. Et voilà, c'est vraiment un exemple de vanity metrics que non, il ne faut pas faire. Donc, c'est pareil, tu sais, normalement, bah, pareil, tu sais, dans apprentissage perso, mais ouais, une expérience, et je vais toujours dire, bah, c'est quoi ton but. Puis, s'assurer que la métrique, elle a vraiment de l'allure. Donc, tu sais, nous, on veut améliorer l'expérience usager, c'est bien plus facile de mesurer ça en augmentation relative qu'en dollars, quoi. Et tu te poses les bonnes questions aussi, parce que si tu optimises pour les dollars, ben là, tu vas manquer l'expérience. Enfin, je veux dire, c'est clair, quoi. Tu peux vraiment tomber du côté obscur là, de ça. Et je le disais un peu avec la manipulation, avec il y a plein de compagnies qui font ça, d'ailleurs. mais je veux dire, et voilà, alors que quand tu restes avec un truc qui est beaucoup plus objectif et qui est pas une vanity metric, donc qui est vraiment un ratio, qui souvent va balancer 1, 2, 3, 4, 5 facteurs, je ne sais pas ce qui est important, le moins possible, mais disons au moins 2, ben voilà, tu as des discussions qui sont plus riches, plus intéressantes, tu as aussi un discours avec les stakeholders et tout qui est, à mon avis, beaucoup plus clean. Et puis ceux qui veulent faire le calcul, ils vont le faire, mais ça ne devient pas ton. C'est pas avec ça que tu lead, c'est pas avec ça que tu focuses beaucoup plus sur l'usager à ce moment-là, à mon avis, que d'aller vers un truc comme ça, quoi, dedans. Ouais, un truc absolu, quoi, en dollars en particulier. Qui est noté, je veux dire, North Star de Shopify, c'est ce qui est reporting, c'est le GMV, donc c'est vraiment ce qui se passe au checkout. C'est pour ça que la tentation elle peut être forte d'aller directement s'accrocher à ce truc-là, parce que évidemment, ça donne du leverage, tu sais, quand tu as des projets, des initiatives et que tu peux faire ça. Mais tu sais, avec le recul aujourd'hui, moi, je ne fais plus jamais ça. Ça va être vraiment, ok, ben, qu'est-ce qu'on va améliorer dans l'expérience? Oui, ça va impacter cette métrique, mais notre but, ce n'est pas ça. Notre but, c'est améliorer l'expérience. Okay. Et si on a des problématiques et si on a des trucs comme ça, on va pouvoir avoir la discussion de manière beaucoup plus sereine, calme et productive. Et focusser l'équipe sur la bonne chose aussi, qui est l'expérience. Quoi. La valeur dérive de l'expérience, pas à l'inverse. Enfin, à court terme, on peut changer ça, mais à long terme, tu ne peux pas tromper tout le monde pendant des années. Quoi. Ouais. Bah, c'est super riche, hein, Benoît. Merci beaucoup. Moi, j'adore cette thématique parce que je trouve que ça apporte un vrai, vrai recul. T'es quand même dans une organisation comme Shopify qui a beaucoup grandi, beaucoup scalé, qui s'est énormément développé. On était, je trouve, à une époque où le e-commerce quand même était moins mature que maintenant. Du coup, on en tire plein de key insights et encore des leçons qui fonctionnent aujourd'hui avec des bonnes pratiques. On l'a dit, que ce soit d'un point de vue orga ou d'un point de vue process qui sont toujours d'actu. Du coup, en plus, merci d'en parler de manière aussi direct et objectif. Je trouve que ça apporte je pense des bons insights pour tous nos participants. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions et je vais les prendre pour la fin pour Benoît de la part de nos participants. Il y en a plusieurs là, qui nous ont aussi quitté là, en fin de boucle. Juste peut-être Benoît, je ne sais pas si tu veux partager peut-être un mot pour la fin en quelques minutes là, sur le temps qui nous reste. Ouais, ben, je pense que c'est en lien avec ça, mais je pense que l'ancien VP, ouais, je pense que VP produit à Shopify, mais le Black Box of Product Management, il a un article sur le Knowing Your Blast Radius, savoir, tu sais, en tant que PM, tu sais, si ça va bien, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est comme le positif, mais souvent, on ne fait pas l'exercice de si ça va mal. Et cette expérience-là, c'est un bel exemple. Donc, tu sais, tout le monde focalise sur la vision, sur la réussite, sur etc. Mais donc, le concept, c'est les pré-mortems. Mais c'est là, donc, tu peux vraiment dire, OK, mais si on s'imagine, tu sais, on a réussi ça ou on a fait ça et ça n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben, je trouve que c'est une belle, belle activité. Puis c'est vraiment important, peu importe le niveau de PM, là, de leadership, c'est que voilà, il y a des choses qui sont risquées, des choses qui sont moins risquées. On veut protéger l'équipe. Puis une belle manière de protéger l'équipe, c'est de dire toujours, ben, OK, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe pour la business, donc la destruction de valeur, si on veut, qu'est-ce que ça peut être? Et à partir de là, ben, gérer ces risques-là, et je dirais pareil, le faire et en équipe et le faire et en. À plusieurs niveaux, on peut le faire, mais
vraiment, vraiment s'assurer qu'on considère la création de valeur, mais on considère aussi la destruction de valeur potentielle. Et on fait ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas, quoi. On va dire. Ok, merci Karine. Tu as les félicitations de Karine Benoît qui a trouvé les partages éclairants et authentiques. Ah, merci. Donc, tant mieux si ça a plu. Tu as les félicitations d'Hélène aussi qui a dit que c'était super intéressant et qu'elle a dû malheureusement nous quitter un poil avant la fin. Mais c'est bien que tu me dises ça. C'est vrai qu'on n'utilise pas la notion de pré-mortem, mais merci. Merci pour ça, et c'est pour ça aussi que nous, on aime bien faire le bourbier, c'est justement pour parler vrai. Et comme tu le disais, c'est beaucoup plus éclairant d'apprendre des échecs, d'apprendre des fails. Et encore une fois, ici, c'était un fail avec un gros titre ultra alpagueur, mais au final, tout est relatif, comme tu l'as dit, et ça faisait partie du petit piège qu'on avait glissé. Vanity Matrix. La Vanity Matrix du 100 000 dollars de l'heure on fait une expérimentation chez Shopify, c'est pas ultra dimensionnant et on perd pas son poste pour autant. et t'es là pour en témoigner, donc je pense que c'est très très riche, très apprenant. Merci une nouvelle fois, voilà, c'est aussi l'objectif d'Advisory et notamment du campus hein, de notre entité formation, c'est d'apprendre et de former sur des cas concrets comme ça, et je trouve que la lumière que tu apportes elle est excellente, donc encore un grand merci hein, Benoît pour ton temps de t'être levé ce matin et nous avoir partagé ce super sujet. Merci pour les slides, évidemment comme tu le sais cette session elle est record, on t'enverra le recording, c'est quelque chose que tu pourras aussi réutiliser avec toutes tes équipes francophones. Je vais partager, vous en faites pas. Nous, comme j'ai dit, il y a la grosse conférence, là, Symphonicon, Balcon, donc là, tous les PM, plupart les PM francophones, ils sont au travail, là, à Euro Disney, les pauvres, mais ça va. Et peut-être aussi, pour finir la boucle, là, en fait, en gros, le 100 000 dollars de l'heure, moi, je considère que c'est un coût pour apprendre. En fait, grosso modo, ça a été implanté, c'était en 2019, donc ça fait 3 ans que ça fait gagner plus que ça de l'heure. Donc le coût d'apprentissage finalement versus le truc, et c'est là qu'on revient à Vanity Matrix, c'est-à-dire que voilà, si vous regardez juste le coût d'apprentissage, ben, y a beaucoup de peut-être leaders ou d'organisations qui vont être résistantes au risque et dire on va refuser ce risque-là, parce que si on le regarde avec nos yeux d'individu, c'est un coût qui semble très élevé. Encore une fois, Vanity Matrix, quand tu regardes avec les leaders organisationnels, puis le fait de faire ça systématiquement, ben, écoute, c'est des améliorations comme ça, j'en veux toutes les semaines hein, si possible. Donc, payer ce prix-là les semaines grosso modo pour avoir ça, soit pour ne pas le faire, soit pour le faire, donc c'est pas le risque il soit commensurable avec la valeur, et ça on a du mal en tant que personne. C'est très riche, parce que en fait ce que tu partages c'est une expérimentation que vous avez menée, vous avez pris les risques pour, qui a été ratée, mais au final l'hypothèse était bonne et aujourd'hui elle est implémentée dans le produit, elle sert le produit et elle sert les revenus de l'entreprise, donc je trouve que c'est peut-être le mot de la fin, mais c'est ultra, je trouve ultra, ultra enrichissant d'un point de vue vision globale. Ça va, très bon mot de la fin. Top, Benoît, écoute, merci encore. Merci de nous avoir dédié de ton temps. Comme je le rappelle, il y a quand même du décalage horaire entre nous et tu as passé pas mal d'emphase à la fois sur le slide deck que la prépa à nos côtés. Donc, merci encore pour ton intérêt. C'est juste un au revoir, hein. Pourquoi pas une prochaine en participant ou en speaker. Bravo de faire ça, moi je trouve c'est trippant. Ici il y a des fail camp puis des fuck up camp. c'est l'idée, mais je trouve que le format est vraiment bien et c'est super agréable à la fois en tant que participant. Là, j'ai adoré ça, donc merci beaucoup. Merci à toi, et en tout cas une belle journée du coup si ta journée démarre. Oui, sous la neige. Et t'as les remerciements de tout le monde. T'as les remerciements de Tessia, de Marie-Aude. Merci à tous d'avoir participé. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine session. Ça marche. Salut Benoît. Salut. Belle journée. On quitte ou pas? Ou je sais pas, moi. Ouais, tu peux quitter, pas de problème. Bon, cool. Ben merci, c'était vraiment sympa. Merci, je t'envoie tout après. Salut.